Uchenna, as-tu mangé la nourriture que j'avais laissée à la cuisine? Uchenna, je te pose la question, non, s'il te plaît. As-tu mangé la nourriture que j'ai laissée à la cuisine? Ouais, je l'ai mangé. As-tu un problème avec ça? Comment tu me demandes si j'ai un problème avec ça? Uche, cette nourriture était pour moi. Tu sais que depuis le matin, je n'ai encore rien mis sur ma dent. Je travaille tout en espérant qu'à la fin, je vais venir manger ma nourriture. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je mange, Qu'est-ce que tu veux hein? que je fasse? J'avais faim, j'étais allé dans la cuisine, j'ai vu la nourriture et je l'ai mangée. Uche, tu as mangé ta part de nourriture le matin. Tu as mangé la mienne. Maintenant, tu manges encore les restes que j'avais laissés dans la casserole. Je dois encore rentrer au champ puisque j'ai du boulot à faire. Qu'est-ce que tu veux que je mange maintenant? Écoute, quel est ton problème? Tu es en train de me perturber. Je me concentre sur ce que je fais et tu es en train de me distraire. Après, tu es dans la maison de ma mère ici. Tu peux aller aussi dans la maison de ta mère et faire ce que tu veux. Ça te regarde. Écoute, arrête de me perturber. Ok, peu importe, mais laisse-moi quand même finir le peu qu'il y a encore dans la casserole, non, Uche? Uche? Uche, non! Où est-ce que j'avais mis l'argent en question? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Je me souviens d'avoir mis ça ici. Qu'est-ce que c'est? Ou je l'avais mis dans un autre endroit? Pas du tout. Je l'avais mis ici. Je l'avais mis dans un autre endroit? Non, je l'avais mis seulement ici. Je l'avais mis dans ce sac. Hey! Uchenna n'a pas pris mon argent. Hey! Uchenna, tu vas me tuer. Oh! Il n'y a pas de problème. Je vais l'attendre à son retour. Il me verra aujourd'hui. Oh. Maman. Maman.
maman. Bon après-midi. As-tu pris l'argent dans mon sac? L'argent? Non, je n'ai pas pris l'argent. Alors l'argent a disparu de soi-même dans le sac? Tu n'as pas pris l'argent. Es-tu sûr que tu n'as pas pris l'argent dans mon sac? Non, maman. Je n'ai pas pris votre argent. Non. Hey! Qu'est-ce que ça signifie, maman, alors? Est-ce que vous avez bien cherché? J'ai bien cherché, non. Regarde, tout est par terre. Hey! Oh, Chena va me tuer, oh. D'accord, je suis ici. Je vais attendre son retour ici. Maman, je fais entrer ici. Ahmed, ça les en rien. Hey! On aurait tout vu dans ce monde. J'en ai marre. Comment est-ce que je peux perdre de l'argent de cette manière? Ma soeur, je suis très impatiente de voir ce que ton frère vous envoyer. Moi de même. Mais la fille qui ne manquera pas d'envoyer quelque chose pour sa stupide fille. Tu sais quoi? Nous allons comparer ce qu'il va nous envoyer, ce qu'il va envoyer à sa fille. Si ce qu'il va nous envoyer n'est pas du tout intéressant, nous allons dégrainer pour elle. Nénié, ça c'est toi. Écoute, si ça dépendait que de moi, je n'allais pas donner à cette fille quoi que ce soit. Non, ne dis pas ça. Tu sais pas que le grand frère peut appeler pour vérifier juste si son paquet lui est parvenu? Je crois que tu as raison, oui. J'aurais souhaité que grand frère ne puisse pas avoir d'enfant. On allait commencer à bouffer son argent, rien que nous deux. Tiens, moi, mon amoureuse, tu aimes bien la réjouissance, toi. C'est comme si toi, tu n'aimes pas toi, ça. Toi, hein? S'il te plaît, mon mari! S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît! Où est-ce que tu vas? S'il te plaît, reviens mon mari, pitié! Reviens ici! S'il te plaît, s'il te plaît! Tu cours pour aller où? Tu penses que tu peux courir? S'il te plaît, tu cours pour aller où? S'il te plaît! Tu sais qu'on n'a rien de femme. Comment oses-tu me servir, moi, ton mari, à manger un plan au chevet? Tu veux me tuer? C'est ça ton plan? Tu retourneras pour leur dire que tu ne m'as pas eu. Tu es tellement inutile et bonne à rien. C'est pourquoi tu es tombée enceinte à un âge précoce. Quand tes camarades étaient occupés avec leur cahier, tu sautais d'un homme à l'autre. Maintenant, écoute-moi. Je vais t'enseigner cette bonne manière que ta mère n'a pas su t'enseigner. Je t'ai dit de m'écouter. Je t'ai dit de m'écouter. Écoute-moi. Oui, arrête ça. Tu veux la tuer? Pourquoi je ne veux pas la tuer? Ça suffit. Tu veux la tuer ou quoi? Pourquoi me sert-elle de la nourriture froide? C'est pour ça que tu la frappes comme ça? On se verra. Tu dois changer d'habitude. Un jour, tu risques de la tuer. C'est bon. Lève-toi. Ça suffit. Calme-toi. C'est parce que tu n'écoutes pas. Tu dois écouter. Tout ça, c'est parce que tu n'écoutes pas. Attends d'abord, où est l'argent que j'avais pris dans mon sac? Moi? L'argent de ton sac? Ah, moi, je ne sais pas ce que tu racontes. Tu sais de quoi je parle. Tu ferais mieux de me ramener cet argent maintenant même. Dépêche-toi. Maman, je n'ai pas pris ton argent. As-tu demandé faveur? J'ai demandé à faveur et elle m'a dit qu'elle ne l'a pas pris. Nous ne sommes qu'à trois dans cette maison. Et si aucun d'entre vous ne l'a fait, qui l'a pris alors? Consulte Google. Oh, désolé, je voulais dire, demander encore à faveur. C'est Favor qui a pris l'argent. Pourquoi tu dis que c'est elle qui l'a pris? Écoute, maman. Ce matin, lorsque j'étais revenu du champ, j'ai vu Favor mangeant un gros morceau de viande sauvage accompagné de jus. Ouais. Et j'ai dit, Favor, où est-ce que tu as trouvé tout ça? Mais elle m'a dit que ça ne me concerne pas. Ok, pas de problème. Et maman, je l'ai même supplié de me donner un peu seulement à goûter. Elle a refusé. Favor a acheté les jus. Et la viande, je vais l'appeler. Ouais, maman. Faveur! Maman! Faveur, viens ici! Maman, je suis là. Mets-toi genou là-bas. Hein? Mets-toi à genoux. Maman, qu'est-ce que je fais? Non, à genoux! À genoux, à genoux! Qu'est-ce que je fais? Tu me demandes, donc tu as volé mon argent. Et tu l'as utilisé pour acheter les jus et la viande, c'est ça? La viande? Moi? Hey, jus!
Maman, non, je n'ai pas volé ton argent. D'ailleurs, je n'ai pas mangé depuis le matin. Arrête, donne-moi le reste de mon argent, je vais l'utiliser. Maman, fouille la bille. Maman, où est le reste de mon argent? Je n'ai pas volé ton argent. Non, ce n'est pas moi, oh. Maman, je ne suis pas une voleuse. Tu continues à le nier. C'est tout ce qui m'étonne. C'est ta façon de mentir, là. Imbécile. Pourquoi vous êtes une menteuse comme ça? Hein? C'est pas normal ce que tu fais. Tu jures aussi devant Dieu. Tu n'as même pas honte, espèce de voleuse. Qu'est-ce que vous ne faites que citer le nom de Dieu en vain. Dieu dans vos affaires. Vous devez laisser Dieu tranquille. Hein? La ferme, imbécile. Tu n'écoutes pas. Pourquoi tu ne quittes pas cet homme avant qu'il ne te tue? Hein? C'est tous les jours qu'il te tabasse. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de le quitter. Veux-tu mourir? Je n'ai pas envie de mourir. Je suis fatiguée de ce mariage. Mais je ne peux pas quitter. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu t'inquiètes? À propos de ce que les gens diront? Concernant ta vie? Mon cas est différent. J'avais déjà eu un enfant avant de me marier avec mon mari. Et alors? Les gens diront que je n'ai pas pu garder mon foyer juste pour faire la prostitution. Est-ce que ces gens sont beaucoup plus importants que ta vie et ta santé? La sécurité devait être ta priorité numéro un. Quitte cet homme avant qu'il ne te tue. Je t'ai donné mon avis. Quitte cet homme. Ha! Merci pour ton conseil. Je prie pour mon mari. Je prie pour qu'il change. Continue de prier et on verra s'il va changer. Cet homme te tuera un jour. Quitte cet homme pendant qu'il est temps. Ça va aller. Uche! 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 Maman! Allez, viens vite, oh! Maman! Approche, j'ai besoin de toi. Nous devons discuter. Maman! Maman! La ferme! Ne dis rien! Ferme ta stupide bouche! Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tu crois que je sais pas que c'est toi qui avais volé mon argent? Je faisais juste semblant pour chercher comment récupérer mon argent. Hey, maman, donc tu veux prendre l'argent de Fivo par une fausse allégation? Maman, ça c'est OPFO, écoute, obtenir par la fraude. Je m'en fous de comment tu l'appelles. Je veux mon argent, donne-le-moi. Soit donne-moi le reste de mon argent. Maman, j'ai pas pris ton argent. Donne-moi mon argent. Maman, j'ai pas pris ton argent. Maman, j'ai pas pris ton argent, non. Maman, j'ai pas pris... Maman. Ne cherche pas de problème, oh. Donne mon argent. Maman. Attends, tu feras aujourd'hui. Maman, j'ai pas pris ton argent, non? Hey! Mille, 2000, 3000? Non. Donc c'est ça qui est resté dans le petit minéral que tu avais volé dans mon sac? Hein? Peux-tu imaginer? Qu'as-tu fait avec cet argent? Je te demande, non? Maman, non. Maman, je sais pas.
Uchenna, qu'est-ce que je t'ai fait dans la vie? Veux-tu me tuer avant l'âge? Hein? Maman, laisse-moi proche. Veux-tu me tuer? Maman, si tu meurs maintenant, tu n'es pas morte jeune, non? C'est toi qui mourras jeune, m'as-tu entendu? C'est toi qui mourras jeune. Quant à moi, je ne mourrai pas, je serai là, idiot. Si je meurs maintenant, je ne mourrai pas jeune, imbécile. N'importe quoi. Ose encore le refaire, je vais te tuer moi-même dans cette maison. Tu ne veux même pas grandir. Tu mourras jeune, n'importe quoi. Espèce d'imbécile. Regarde-moi celui-ci. Voleur. Ose encore le refaire, tu verras. Maman, bon après-midi. Hey, attends d'abord. Oh, d'où est-ce que tu proviens? De l'église. J'étais allée nettoyer l'église pour préparer le culte. J'étais allée nettoyer l'église et le... Donc c'est là où tu vas donner mon argent à l'église, hein? Grand-mère. Grand-mère, je t'ai déjà dit que je n'ai pas eu ton argent. Maman, s'il te plaît, partout où tu as mis mon argent, s'il te plaît, va le récupérer. Grand-mère, tu me connais bien, je suis restée avec toi depuis que j'étais toute petite. Hein? Tu me connais bien, tu sais que je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais volé avant et c'est maintenant que je vais commencer à le faire. Tu me demandes comment je veux le savoir. Comment je veux le savoir? Je ne suis pas ton amie. Tu as changé, oui. Non. Oui, bien sûr. Tu es un humain, tu peux changer quand tu veux. Toutefois, ce n'est pas mon problème que tu changes ou pas, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Excepté si tu veux que je dise à ton père que tu as commencé à voler. Je lui dirai que tu es devenue une volée stérile dans ce village. Vas-y, donne-moi mon argent. Dépêche-toi, donne-moi mon argent. Alors dégage de ma vue. Dégage d'ici. N'importe quoi. Regardez-moi celle-là, hypocrite. Écoute-moi, ne cherche pas, oh. Je venais te taper comme ça, tu aurais une bonne raison de pleurer. Elle m'a dit, si, elle n'a même pas honte. Espèce d'une fille qui n'a... J'ai doré. Attends, hypocrite. Uche, pourquoi? Pourquoi tu as dit à maman que c'est moi qui ai volé son argent pendant que moi et toi savons que c'est toi qui l'as pris? As-tu une preuve? As-tu une preuve que c'est moi qui ai pris l'argent? Quitte ici! Pas de problème. Ça se saura. Sache que un jour, Uche, un jour, tout ceci va te rattraper dans cette maison. Prophétesse, qu'il me rattrape. Qu'il me rattrape. N'importe quoi. Regarde ses pieds comme du spaghetti. Allô? Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Veux-tu que mon mari me chasse de la maison?
Je t'avais dit que si j'ai besoin de toi, c'est moi-même qui vais t'appeler. Hein? S'il te plaît, ne m'appelle pas. Allô? Allô? Mais pourquoi elle me hait de cette façon? Tiens, Maka, va récupérer ton téléphone. Maman, notre frère nous a envoyé permettre ses habits, le téléphone et un peu d'argent à sa fille chérie. Et vraiment, c'est très merveilleux. Alors, le cadeau en question est juste pour faveur? Oui, maman, pour faveur. C'est pour faveur? Oui, maman. Ok, donnez-moi ça alors. Oh, fantastique! Alors, où est l'argent? Maman, c'est là où se trouve le problème. C'est quoi le problème? Si c'est le dollar, ne vous inquiétez pas. Nous allons juste l'échanger. Maman, nous avons déjà fait l'échange. Vous avez déjà changé? Oui, c'est déjà D'accord, donnez-le-moi alors. C'est juste que grand frère avait dit que nous devons remettre l'argent uniquement entre les mains. Ça, c'est vrai? Juste à faveur? Attendez, je vais appeler Faveur. Précisément à Faveur. Faveur! Faveur! Maman! Tes soeurs sont ici. Tinaye, Chouma, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Eh bien, nous t'avons apporté la bonne nouvelle. Ton père t'a envoyé des histoires. De mon père. Il y a les téléphones et aussi les habits. Mais quant à l'argent... Ah! Waouh! Merci. Merci. Ah! Hey! Maman. Voilà, c'est ça ton argent. Tout cet argent. Oui. Pour moi. Oui, hey, merci beaucoup. Hein. Je vais l'appeler pour lui dire que j'ai reçu l'argent et les habits. D'accord. Merci. Ok, mes filles, je suis contente. Oui. Bye bye. Bye bye. Yo. Bye. Bye-bye. Au revoir. Merci. Hein. Amuse-toi bien. On est contente. Donne-le-moi. C'est quoi ça? Écoute-moi, je veux garder l'argent. Pour le téléphone, ce n'est pas pour ton âge. Hey! C'est vraiment bien haut. Regarde-moi. Je te donnerai mon petit téléphone. Et moi, je vais utiliser celui-ci. Si tu veux, appelle ton père et dis-lui que j'ai pris ton téléphone. Rappelle-toi de lui dire que ce téléphone que je t'ai donné marche bien. Les réseaux passent très bien, c'est pour les enfants de ton âge. Allez, quitte à mes côtés maintenant. Va mettre le sac à l'intérieur. Quitte à mes côtés. Hein? Elle se tient aussi à mes côtés. Oui, papa, j'ai reçu le téléphone et les habits que tu m'as envoyés. Merci beaucoup. Oui, j'ai reçu aussi l'argent. Merci, monsieur. Oui, papa. Ok, grand-mère. Allô, mon garçon. D'après tout, c'est mon devoir. Hein? Elle est ma petite fille. Je fais juste ce que je dois faire. Écoute, apparemment, tu as oublié mon numéro de compte. Hein? C'est ce que j'ai constaté. Parce que je ne reçois plus rien ces derniers temps. Tu dois commencer à m'envoyer, non? Tu dois le faire. Tu sais très bien que ça va toujours nous aider. C'est très important. Hein? Ok, la carte s'émet. Elle aura demain. D'ailleurs, demain, c'est loin. Dès que je vais raccrocher, nous allons aller acheter la carte SIM. T'inquiète. D'accord, oui, mon papa. Fils aîné, t'inquiète même pas. Je suis très contente. Tu dois seulement être là. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Toi-même, tu sais, mon fils, il n'y a pas de problème. Je suis là. Moi, je n'attendrai que mon truc. Hein? D'accord, je suis très contente. D'accord, prends soin de toi. Oh. Bye. Que fais-tu ici? Dégage de ma vue maintenant.
la carte SIM. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Veux-tu que je te coupe en morceaux? Elle n'a pas honte. Carte SIM. Tu n'as même pas honte ensemble avec ton père, hein? Alors, c'est ce qui s'était passé. Vraiment. Oh, monsieur Amadi, tu es très romantique. Mon tonique du sang. Hey! Allons à l'intérieur. Oui. Allons à l'intérieur. Allons-y. Et toi, tout ce que tu fais, c'est pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu n'es pas fatigué de pleurer? Écoute, cet homme qui vient d'entrer à la maison n'a pas de respect pour toi. C'est tout le jour qu'il rentre à la maison avec différents visages de femmes. Il couche avec elle dans ta maison et en ta présence. Et tu ne le défies pas? Si je le défie, il va me frapper. Rappelle-toi de la première fois qu'il avait emmené une femme à la maison. Il voulait me tuer. N'est-ce pas que ton mari et toi m'avaient emmené à l'hôpital? Je me rappelle de tout ce qui s'était passé. Dieu sait bien que moi, tel que je suis là, je ne saurais pas vivre avec ce genre d'homme. Je souhaiterais rester célibataire durant toute ma vie que de me marier à un homme pareil et avaler toute cette saleté que tu reçois juste au nom de mariage. Oh, si par hasard un jour mon mari se décide, un jour, de revenir avec une femme, ha! Makachi, je tuerai quelqu'un. Je les tuerai tous et je brûlerai la maison. Tu ne vas pas comprendre. Jésus! Hey, calme-toi. Laisse-moi. Hey, mon Dieu! Qu'est-ce que tu as, toi? Hey! Abomination! Hey! Hey! Uchenna va me tuer! Oh. Uchenna, qu'est-ce que tu me cherches? Hein? Ça suffit, arrête de pleurer, ma fille. Toi aussi! Pourquoi tu t'es couché ici avec une petite culotte? C'est quoi ça? Hein? Je voulais avoir de l'air frais. Tu voulais prendre de l'air? Tu vois maintenant ce que tu voulais causer ici? Tu laisses les cuisses dehors et tu parles de prendre de l'air. Ça suffit. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ha! Dieu merci, rien de mal est arrivé. Dieu merci, il n'est pas tombé dans la tentation. Sinon, ça allait créer d'autres problèmes. Hein? Ça suffit. Ça suffit, arrête de pleurer. Hein? Laisse-moi te dire ceci, hein? Ne dis à personne ce qui est arrivé aujourd'hui. Ne dis même pas à ton père, sinon je vais te tuer, tu me connais bien. Il ne faut plus tenter les gens. Il faut toujours éviter ce genre de choses. Hein? Allez, prends la lettre, va remettre dans la maison, hein? Quitte ici et arrête de pleurer. Toi vraiment, hein? Toutefois, rien ne s'est passé. Tu laisses tes cuisses dehors pour tenter les gens. Faveur. Maman, après avoir balayé, hein, tu vas nettoyer ses habits. Ok. Maman, j'ai besoin d'un peu d'argent. Je vais acheter quelque chose. Tu as besoin d'argent? Oui. Qu'est-ce que tu veux acheter?
Je vais acheter la bande hygiénique. J'ai commencé les règles. Tes règles ont commencé. Mm-hmm. C'est ce que tu me racontes. Toutefois, je n'ai pas d'argent pour acheter les bandes hygiéniques. Alors, ce que tu dois faire, c'est chercher des anciens vêtements. Connais-tu mes anciens vêtements qui sont de l'autre côté là-bas? Vas-y, prends-les et tu pourras les utiliser pour tes règles. Maman, ça ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique? Qu'est-ce que toi tu connais? De quoi parlons-nous ici? Ok, que veux-tu que je fasse alors? Toutefois, tu n'as qu'à chercher d'autres vêtements ici et tout autour, comme ça tu pourras alors les utiliser. Ou bien tu peux t'en acheter avec l'argent que je vais voler l'autre fois dans mon sac. Maman, je n'ai pas volé ton argent. Crois-moi. Tu ne l'avais pas fait. Toi vraiment, hein. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à chercher des vêtements ici, par-ci, par-là, et tu peux les utiliser pour tes règles. Hein? Moi, je m'en vais, oh. J'ai des courses à faire. Écoute, Fevo, quoi que tu te fais appeler, je m'occuperai de toi dans cette maison. Regarde, je jure Dieu, si je n'ai pas cette chose que tu as entre tes jambes, appelle-moi un bâtard. Allô, papa. Papa, bon après-midi, monsieur. Eh oui, monsieur. Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. Papa, je ne suis pas du tout confortable ici. Grand-mère et Uchi rendent ma vie misérable. Papa, je ne saurais te le dire au téléphone. Sache que je ne supporte plus rester ici avec eux. Non. Papa, ne l'appelle pas. Si tu essaies de l'appeler, je vais souffrir. Elle va me frapper comme pas possible. Merci. Dieu te bénisse. Merci, papa. Ma joie, ma fille bien-aimée. Hey, toi, t'es de retour? Maman, bon après-midi. Bon après-midi, ça va toi? Ma fierté, oh. Ma fille bien-aimée, je t'aime beaucoup. Tu reviens du champ? Oui, maman. Hey, ma fille bien-aimée, ma boule de joie, ma fierté de fille.
comment tu as travaillé au champ. J'espère que tu n'as pas travaillé toi-même. Non, maman. Non. C'est une bonne chose. J'ai préparé un bon plat pour nous tous aujourd'hui. Alors, dès que tu entres dans la maison, dépose ces histoires et mange. Et en mangeant, tu peux même tout terminer. Ne pense même pas un tout petit peu à Uchenna. S'il te plaît, oh, va manger, ma fille. Maman, bon appétit. Hein? Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Oui. Bien sûr que nous allons bien, nous deux, non? Alors, ma fille, va déposer tout ce que tu as en main, s'il te plaît. T'inquiète, je vais aussi t'acheter un truc à boire, hein? Hey! Hey, ma fille chérie, ma bien-aimée, toi, tu es vraiment ma joie. Pourquoi est-ce que Vincent veut faire sortir sa fille de chez moi? Est-ce qu'elle lui a dit quelque chose? Hey, j'espère que cette fille n'a rien dit à son père. Oh. Mon Dieu, oh, là, je crois que si elle quitte ici, son père n'enverra plus l'argent. Je vais souffrir. Hey! Comment je vais la convaincre de rester pendant que je ne la traite pas bien? Uche voulait même la violer hier. Cet enfant, ce garçon ne va pas me tuer. Hein? Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Es-tu folle? Tu veux me tuer? C'était une erreur! C'est ta tête l'erreur! C'est ta tête l'erreur! Ah, s'il te plaît! Oh. Donc, c'est le seul moyen pour toi de m'avoir. Tu ne vas pas y arriver, hein? Tu as vu ce que tu viens de me faire? Hein? Je sais. Au moment je vais finir s'il et te corriger, plaît. Tu te rendras compte que je ne blague pas. Je ne blague pas. Reviens ici! Je te dis, reviens ici! Reviens ici! Reviens ici! Maman! 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 Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Maman, s'il te plaît, as-tu pris les autres habits que papa m'a fait envoyer? Non, comment est-ce que je peux faire ce genre de choses? D'ailleurs, on n'a même pas la même taille. Qu'est-ce que je peux faire avec tes habits? Dis-moi d'abord. Maman, je ne vois plus les autres habits. Oh, Uche! Hé, ici! As-tu pris quelques habits de ta sœur dans son sac? Maman, quel est ce genre de question? Que ferais-je avec ces vêtements? Uchenna, je sais que c'est toi qui l'as pris. C'est toi qui l'as eu. Il n'y a pas de problème. Tu peux le garder si tu veux, mais je te promets que c'est la dernière fois que tu joues encore mes histoires dans cette maison. Faba, s'il te plaît, ne parle pas. Hein? Tu vas remettre tout ce que tu as pris chez elle. M'as-tu entendu? Faba, s'il te plaît, calme-toi. Je vais te remettre l'argent et le téléphone que j'avais pris. Non, maman, tu peux garder le téléphone et l'argent. J'en ai pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. C'est pour toi, ma fille. Je vais te le remettre. T'inquiète. Chia, maman, es-tu sûre que tu vas bien? Pourquoi tu le parles si gentiment? C'est à moi de te demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien vraiment, toi? Espèce de voleur. Continue à voler. Un jour, tu vas voler même ce qu'on ne vole pas. Et puis, tu deviendras fou. Tu vas penser qu'il va t'arriver. Ma fille, s'il te plaît, et il va tout remettre. Hein? T'inquiète. Moi aussi, je vais remettre l'argent et le téléphone. Ok, tout va très bien se passer. T'inquiète, ma fille. Hein? Je t'aime beaucoup. Hein? Je vais te donner tout ce que tu as besoin. T'inquiète, je suis toujours là pour toi, ma fille. Hein? S'il te plaît, hein? Arrête de pleurer. C'est merveilleux. Remercions Dieu pour le service d'aujourd'hui. Oui, pasteur. J'ai un témoignage à vous partager. Waouh! Pourquoi ne l'aviez-vous pas fait pendant les cultes d'aujourd'hui? Pasteur, je suis de nature timide. En fait, je ne veux pas non plus aussi être mépris par les gens. Ok, allez-y, il s'agit de quoi? Pasteur, mon père veut m'acheter une maison. Waouh, gloire à Jésus. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Oui, pasteur. Que son nom soit glorifié. Amen. Oui, je suis vraiment content. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, ce Dieu. Vous savez, c'est vraiment un très grand témoignage. Hein? Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Donnez-moi vos mains, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour tous les bienfaits dans nos vies. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour l'évangile. Nous te remercions pour le sacrifice expiatoire de ton fils Jésus-Christ. Ce qui est sûr, je n'ai pas de choix. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas de choix. Oh, Adamo. Grand-mère.
grand-mère. Bon après-midi. Ma fille, bon après-midi. Comment s'est passée l'église aujourd'hui? J'espère que tu as mangé la Sainte Cène. Oui, maman. Ça veut dire que tu es de bonne humeur. Ma petite fille, oh. Mets-toi avec ta grand-mère. Oui, mets-toi. Ok. Ne te fâche pas, je ne veux pas te faire du mal. T'inquiète. Je suis ta grand-mère. Hey. As-tu dit quelque chose à ton père? Quelque chose? Quelque chose comme quoi? Lui, as-tu dit que tu ne veux plus rester avec nous? Non. Je ne lui ai pas dit ça. Oh, es-tu sûre? Oui, grand-mère. Tu es en train de me mentir, non? Hein? Je sais que Uche et moi ne sommes pas très bons à ton égard. Nous te maltraitons, je sais, mais s'il te plaît, oh. Hein? Je te jure qu'on a changé, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi, oh. Je te rassure. Nous n'allons plus te faire cela. Nous n'allons plus te maltraiter. S'il te plaît, oh. Dis à ton père que tu veux rester avec nous. Grand-mère, je ne saurais mentir à mon père. Je ne suis pas heureuse ici. Je ne saurais prétendre être heureuse. Grand-mère, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Même quand ma propre mère m'avait abandonnée, tu m'as pris comme ta propre enfant. Je te remercie pour ça, mais je ne t'ai plus depuis que tu étais bébé. Cela ne te prouve pas que je suis une bonne personne, ma fille, s'il te plaît, ne dis pas ça. Grand-mère, je n'ai jamais dit que tu étais une mauvaise personne. C'est juste que j'ai assez grandi. Je peux prendre soin de moi-même. Tu peux bien le faire en étant avec nous ensemble, ma fille. S'il te plaît, tu seras heureuse ici. Je te promets que nous serons gentils envers toi. S'il te plaît, ne pars pas. C'est trop tard, grand-mère. Je pars aujourd'hui. Hein? Désolée. Papa, j'ai cru que tu n'allais plus jamais venir. Oh, j'ai décidé de vous faire une surprise. Grand frère, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis très ravie de vous voir. Hey. Ah, ah. Frère. Vous avez toutes grandi. Grand frère, papa. Ma fille chérie. Tu ne fais que grandir. Qu'est-ce qui te prend, papa? Monsieur? Oui. On dit quoi? Oh, relax, tu nous amènes quelque part, ok? Allez. Quelque part. Allons-y. Oui, allons-y. Nous devons partir quelque part. Ok, vas-y, ouvre. Ok, d'accord. Ouvre-leur. Attendez-moi, je ferme la porte. C'est bon, fais-le. Attendez-moi. Grand frère. Tu peux me donner ça, s'il te plaît. Attends. Bien, nous voici. Regarde un peu cette maison. Est-ce que tu aimes? Oui, papa. C'est joli. Très bien. Je l'ai acheté à ton nom. Ça? Ah! Ah! Papa! C'est Relax. Très magnifique! Ah! Venez voir. Papa, c'est très joli. Ce ne sont que des actes d'un père qui aime bien sa fille. Oh, papa, merci beaucoup, papa. En tout cas, tu n'as pas à me remercier comme ça. C'est à toi. Oui, merci, entièrement. Papa. Que Dieu te bénisse. Venez, entrons. Allons-y.
tel que je l'ai dit avant, je vais voyager pour Abuja demain matin. Il y a un projet auquel je dois participer, ok? Et maintenant que je suis dans le pays, tu peux toujours venir à Abuja me voir. Ah, papa, j'ai cru que tu es revenu parce que tu étais en manque de moi. Bien sûr que tu m'as beaucoup manqué. C'est pour ça que je suis venu te voir. Mais il faut également que je fasse mes affaires. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ira bien. Grand frère, je crois que Gina et moi, on peut toujours venir te rendre visite. Ce n'est pas un problème. Vous serez toujours bienvenue. Hey, ce n'est pas mon fils. Mon fils bien-aimé qui est arrivé. Oh mon Dieu. Mon fils, bienvenue. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Mon fils, comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, nous avons appris que tu es là. Voilà pourquoi nous sommes venus te rendre visite, mon fils. Vous êtes donc venu me voir après tout ce que toi et ton méchant garçon avez fait à ma fille? Vous ne faisiez que demander l'argent chaque semaine. Son argent de poche. Et malgré tout, vous n'avez pas pris soin d'elle. Elle était comme une esclave. Non, ce n'est pas vrai. On l'apprenait juste comment vivre dans la société, comment être forte. Vous voulez qu'elle soit forte dans la société? Ouais. Écoutez-moi, madame, je ne voudrais pas perdre mon humeur. Avant que je n'ouvre mes yeux, sortez de chez moi. Sortez de chez moi avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Mais monsieur, calme-toi. Calme-toi, ok? Pourquoi tu es si agité? Et tu es en train de me parler? Non, non, il voulait juste dire... Non. Tu es en train de me parler? Oublions, pardon. Non, attends, non. Non, ne t'en va pas, attends. Ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Ça vient de mon père. Ok. À qui appartient tout ça? Ça, c'est pour moi. Tout ça c'est à toi? Oui, c'est pour moi. Hey. Rassure-toi d'appeler papa un peu. Ok. Merci. D'accord. Merci énormément. Hein. De rien. Je vais appeler ton père pour lui remercier. J'attends votre appel. Peux-tu imaginer, hein? Ton grand-frère nous a envoyé de miettes et beaucoup d'argent à sa fille, hein? Ça ne passera pas. Non, ça commence à me faire mal à la tête. Regarde ce qu'il nous a envoyé. Il était censé nous envoyer plus qu'il envoie à cette fille. Écoute, grand-frère a changé. Depuis qu'il est revenu au Nigeria, il a beaucoup changé. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas juste. S'il continue à m'énerver de la sorte, je vais mettre du poisson dans la nourriture de sa fille et je vais la tuer. Hé, n'essaye pas ça, oh. Ne l'essaye même pas. Ha! À la place de penser comment causer une amitié entre le grand frère et sa fille, là tu racontes n'importe quoi. Ne sais-tu pas que si tu le tues, maintenant la police va venir t'arrêter. Ou peut-être nous arrêter. On va faire la prison. Biko, mets-moi en dehors de ça. Ah ah! Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu me suggères, dis-moi? Parce que ça commence à prendre une autre ampleur et je t'en peux plus, je n'arrive plus à le supporter. Je ne sais pas, oh. Hey, j'ai une idée. Viens, on va appeler le grand frère. Nous allons monter une histoire contre cette fille. Viens, ça va marcher. Où est ton téléphone? Appelle-le. Mets le haut-parleur. Allô, grand frère. Bon après-midi. Oui. Merci beaucoup, grand frère. Nous avons reçu les cadeaux. Merci. Grand frère, attends, s'il te plaît. On a quelque chose à te dire. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet des faveurs. Faveurs. Oui, ta fille. Qu'y a-t-il? J'espère qu'elle va bien. Oui, grand frère, elle va bien. Elle va très bien. C'est juste que la façon dont elle se comporte ces derniers temps nous laisse vraiment perplexes. Oui. Elle commence à sortir avec plusieurs hommes. Oui. Et cela n'est pas bien pour elle. Ne me dites pas ça. Ma faveur n'est pas comme ça. Ma fille ne ferait jamais rien de tel. Grand frère, tu n'as pas la volonté du tout. Tu sais qu'elle restait avec sa grand-mère. Et cette femme ne prenait pas soin d'elle. Elle ne faisait que manger ton argent. Et faveur ne faisait qu'à sa tête. Exactement.
quand en te disant tout cela juste pour que tu les saches. Ne crois pas que nous avons une dent contre elles. Si nous ne les faisons pas, après demain tu diras que nous ne prenons pas bien soin d'elles. Et c'est pas bien, elle risque de finir comme sa mère. Et pour ça, elle risque de revenir à la maison de la princesse. Écoutez, arrêtez, je comprends. Ce n'est pas bien, je vais l'appeler, ok? Non, ne l'appelle pas, grand frère, ne lui parle pas à propos. Apaise-toi, on vous enverra les preuves et les évidences de tout ce qui se passe. Bien, j'ai fait tellement confiance à ma fille. Ce n'est pas une fille perdue, alors oubliez votre intention de m'envoyer quoi que vous ayez comme preuve, ok? Passez une bonne journée. Ok, bye bye. Nini, je t'avais dit que cet homme ne va pas nous voir. Je t'avais dit que grand frère ne va pas faire quoi que ce soit concernant sa fille. Hein? Écoute, nous devons planifier quelque chose pour qu'il déteste sa fille. Parce que ses plans ne vont pas marcher. Pas du tout. Comment tu vas? Je vais bien. Ah oui, je peux le voir. Tu ne veux pas goûter? Je n'ai pas envie de manger. Pourquoi? Je suis en train de jeûner et prier pour mon mari. Attends, tu jeûnes et tu pries pour ces pauvres idiots? Arrête de dire ça, non. Il est toujours mon mari. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais tu dois le supporter. Désolée, c'était une erreur. Bien. J'espère au moins que tu ne vas pas tomber malade dans ces processus de jeûne et prière. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Je ne m'inquiète pas. Tu sais ce que tu fais. C'est délicieux. J'en veux pas. D'accord. Tu sais quoi, ma belle? Cette histoire me révolte vraiment et ça m'énerve. Depuis que cet idiot a décidé d'être un anneau à notre cour, on finira par s'en débarrasser. Chioma, Chine, comment vous allez? La nourriture est déjà prête, donc vous pouvez aller manger. Chioma, mon amour, allons à l'intérieur, hein? S'il te plaît, allons-y. Chioma. Mais je vous ai quand même présenté mes excuses, non? Mais pourquoi ils sont toujours fâchés contre moi? J'ai dit que je suis désolée, non? Mes sœurs, Nonye, Chioma, venez, prenez place, mettez-vous. Regardez la perruque que papa m'a envoyée. C'est très joli, non, n'est-ce pas? Je voulais quand même que vous puissiez les voir. Ne me dis pas ça. Tu veux dire que ton père a acheté toutes ces perruques juste pour toi-même? Oui, tout ça c'est pour moi. Il a dit qu'il ne veut pas que je reste avec mes cheveux naturels. Il a acheté chez une dame et puis il me l'a envoyé. Mais c'est comme vous savez, je ne vois même pas à quelle occasion je vais mettre toutes ces perruques. Puisque mes mouvements sont limités à l'église, à la maison, au marché et puis, vous savez, en tout cas, je ne sais même pas comment que je veux le mettre. T'es une chanceuse. Tu sais que notre frère prend bien soin de toi. Oui. Il prend très bien soin de toi. Célèbre de Dieu. C'est ça. Et c'est merveilleux pour moi. Amen, oh. Réjouis-toi, ma sœur. Tu sais quoi? Réjouis-toi, je te dis. Merci. Oui, c'est joli. Mais pourquoi est-ce que notre frère a acheté toute cette perruque pour toi? Pendant qu'il sait que tu n'aimais jamais ça, c'est une perte d'argent alors. Une perte? Comment il peut les acheter pour une villageoise comme toi? Au lieu qu'il les fasse pour nous. Je ne suis pas une villageoise. Tu es une villageoise. Écoute, tu es la championne de toutes les villageoises. Oui, c'est ça. Villageoise. Villageoise. Regarde celle-ci. Nengue, c'en est des
trop. Ça commence à dépasser les bornes. C'est quoi ce genre de problème? Grand frère nous a complètement oubliés. Il ne se rappelle plus que nous existons dans ce monde. Il ne se souvient plus de nous. La seule chose dont il se rappelle, c'est sa fille. Ces derniers temps, il n'y a que sa fille par-ci. Écoute même comment elle est dit. Mon père, c'est ici. Mon père, c'est là. On dirait que son père n'était pas notre frère. Cet amour de père et fille commence à vraiment prendre une autre allure. Nous devons agir. Nous devons faire très, très vite. Je ne sais plus quoi faire. T'inquiète pas. Néné, je crois que j'ai une idée. Quelque chose m'est venu à l'esprit. C'est quelle idée? C'est un plan fabuleux. Approche. Hey! Ediba! Ediba! Mon fils fille, quelle idée géniale! On le fera comme ça. Ça marchera. Tu me connais. Tu l'as pas. Cette fille, je vais m'occuper d'elle. Ça ne passe pas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Hey! Hey mon Dieu! Si quelqu'un m'avait averti que un jour il ne allait plus commencer à prendre mes appels ou me rappeler, je n'allais pas me sacrifier? Hey, on aurait tout vu dans ce monde, oh. Hey. Donc, il ne sait même pas répondre à mes appels. Donc, moi, je n'ai plus un signe de Vincent. Si je savais, oh. Si je savais, j'allais bien traiter cette fille en faveur. Je n'allais pas commencer à la faire souffrir. Mais ce qui est sûr, j'étais juste en train de l'apprendre comment être forte. Ça y est, nous l'avons eu. On ne l'a pas loupé. Ces photos partent d'elles-mêmes. C'est parfait. Allez, attends. Comment ça? De cette façon, Crawford ne va plus défendre sa stupide fille. Je ne pense pas. Imagine. Cette photo va lui mettre en débandade. Oui. C'est ce que je voulais vraiment comme photo. Oui, ça les va. Photos partent d'elles-mêmes. Ça parle. Avec cette photo, grand frère, cette fille voulait nous remplacer où? Ah, ça ne tiendra plus, elle ne réussira pas, ça ne marchera pas. Il serait mieux qu'on l'envoie tout de suite à son père. Mais on le fait tout de suite. Mais comment je suis arrivée ici avec ces gars? Ah, ça c'est étrange. Mon Dieu.
C'est étrange. Allô, papa. Fève, donc c'est ça que tu te mets à faire? Malgré tous les efforts que j'ai fournis pour que tu ne manques rien du tout, tu vas tout de même coucher avec les hommes pour l'argent? Papa, je ne comprends pas ce que tu dis. Et ça veut dire quoi? La ferme! Tais-toi et arrête de faire semblant. J'ai la preuve de ta stupidité. Fève, tu m'as déçu. J'ai tout fait pour toi, pour me rassurer que tu ne manques rien. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Hein? Tu m'as profondément déçu. T'es aussi insensé et inutile que ta mère. Papa, je ne comprends même pas ce qui se passe ici. Je suis confuse. Papa, je te promets que je ne suis pas en train de salir ton nom. Oh, tais-toi et arrête de me mentir. Quand mes sœurs m'ont dit que tu étais en train de suivre les hommes, j'avais refusé, j'avais rejeté leurs accusations. Mais maintenant, j'ai vu des preuves. Et franchement, je dois te dire que tu m'as profondément déçu. Papa, moi... Je suis un homme. Papa, je te jure, je ne suis pas en train de suivre un homme. D'ailleurs, je n'ai jamais été avec un homme avant. Je suis toujours vierge. C'est pas vrai, je suis innocente. Tu n'es qu'une menteuse pathétique. Tu sais quoi? Je n'ai même pas envie de te parler. Et je ne pense pas pouvoir avoir envie de te parler un jour. Toi, espèce de salope. Allô? Papa, allô? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? J'espère que tu as bien gardé ces photos. Bien sûr, on ne peut pas perdre le temps. Bien, n'importe quoi. Cette fille voulait prendre notre place dans la maison de notre confrère. Notre propre frère. Pourquoi? Pourquoi même? Elle ne peut pas récolter ce qu'elle n'a pas sémé. Ce que nous venons de faire, c'est vraiment un grand coup. Je crois que cette fois-ci, il va y croire. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça? Montre, je vais voir moi-même comment est-ce que tu l'as fait. Elle arrive. Oh, j'ai dit, si tu vois, la robe qu'elle vendait était très jolie. Ah, vraiment? D'accord, montre un peu, je vais voir aussi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez raconté à mon père, tous les deux? Ah, ok. Dis-moi, tu crois qu'on peut l'acheter, on peut la prendre? Écoutez, je vous demande encore, qu'est-ce que vous avez dit à mon père? La vérité! La vérité! Nous avons dit à ton père, comment est-ce que tu es bête? Et comment tu couches avec n'importe quel homme? Non, pourquoi non? Vous me connaissez tous les deux, que je ne suis pas comme ça. Pourquoi vous faites ça, hein? Pourquoi? Né, épargne-toi du stress, hein? Écoute, nous savons que tu es innocente. Tu vois ces photos, si quelqu'un d'autre les regarde, il va croire que... Exactement. Vas-y, regarde-les toi-même. Jésus! Jésus, donne mon téléphone. Tu appelles qui est Jésus, toi? Non, ce n'est pas vrai, ça semble de montage. Je ne connais même pas cet homme qui est dans cette photo. Hé, où est-ce que vous l'avez eu? Garde des explications pour ton père. Ma sœur, petit bébé, s'il te plaît, lève-toi, nous allons partir. Notre Père qui est dans les cieux. Tu es ma seule source de force. On m'accuse d'une chose dont je ne connais les tenants ni les aboutissants. Dieu, lève-toi et combat pour moi. Je ne connais rien de tout ce qu'il m'accuse. S'il te plaît, Seigneur. Thank you.
Oui, monsieur. Oui, mon frère. Oui, elle va quitter cette maison dans les prochaines 24 heures. Maintenant oui, même. Sans excuse. Oui, tout de suite. Grand frère, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Chinéa et moi, on va s'occuper de tout. Oui. Oui, monsieur. D'accord, grand frère. Bye bye. Oui. C'est vous, émissaire. Je vous prie tous les deux, au nom de Dieu. Si par hasard je vous ai offensé, je vous prie de trouver une place dans votre cœur pour me pardonner. S'il vous plaît, ne brisez pas ma relation avec mon père. Mon père est le ciel que j'ai dans ce monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez-lui de ma part et dites-lui que tout ceci n'est pas vrai et que je suis innocente, je n'en connais rien. Eya, Eya, regarde, mon ami, arrête de faire des bruits. Ton père a dit que tu n'as que 48 heures pour dégager d'ici. Et avant de partir, tu dois nous donner tous les documents de cette parcelle. Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'elle ira avec ça? S'il vous plaît, je n'ai pas où aller. Aidez-moi à l'appeler, je n'ai pas où aller. N'est-ce pas que tu es une maman? N'est-ce pas que tu es une grand-mère? Je me demande. Tu ne connais plus leur adresse ou quoi? Hein? Je t'en prie, il n'y a plus de place pour toi dans cette maison, donc tu dois partir. On est en train de perdre le temps inutilement. Néné, va à la maison et fais sortir ces histoires. Dépêche-toi, vite, rapidement, sors d'ici. S'il vous plaît, désolé, Thomas, aide-moi à la supplier, non, aidez-moi à appeler mon père, s'il vous plaît. Allez, ne me touche pas, arrête. C'est tout, moi, ce que tu nous as causé. Laissez-tu. Ne faites pas ça. Néné, Néné, mais où es-tu? Lâche-moi, mère. Eh mon Dieu. Néné. Néné, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ja, mais je suis là. L'argent de ton frère. Mon Dieu, et tu blagues. Toi, vraiment. Allez, va-t'en. Ok, ta valise est là. Allez, allons-y. Attends, je vais t'aider avec. Tu dois sortir aujourd'hui. Allez, va-t'en. Sors, lève-toi. Debout. Sors. Oh merde, vas-y, non. On t'a chassé. Tu n'as qu'à partir. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Va-t'en. Oh, va-t'en maintenant. Sors. Eh, mon Dieu. Je suis très contente, nous devons célébrer. Ah, ça vraiment. Je ne peux pas manquer cette célébration. Oh mon. Oh, vas-y, ma chérie. Dépêche-toi. Ouvre tes bouteilles, alors. Eh mon Dieu, je te dis, aujourd'hui, je suis très contente. Hey, vas-y. Ouais. Doucement. C'est vraiment incroyable. C'est les plus grands jours de ma vie. Quoi, oh ma chérie, nous portons un toast pour notre. Ok, portons un toast pour
beaucoup d'argent, beaucoup de vêtements pour cette parcelle, pour beaucoup de biens que notre frère va commencer à nous envoyer. Parfait. Nous sommes contentes. Nous sommes les plus grandes filles de Mais cette époque. C'est vrai, ma chérie. Je te dis. T'as raison. Je te dis. Cette maison nous appartient. Oh mon Dieu. Oh, waouh. Oh. Féro, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ma grand-mère. Tu es là pour voir ta grand-mère. Pourquoi? Je cherche un endroit où rester pour quelques jours. Oh, vraiment? Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ta maison? C'est ce rendu des mensonges sur moi et il les a crus. Ils m'ont renvoyé de la maison. Mais je suis innocente, oh, je suis innocente, je n'en sais rien. En quoi cela me concerne? Est-ce que cette maison ressemble à un orphelinat pour toi? Écoute, tu ferais mieux de quitter ici tout de suite. Uche, s'il te plaît, tu n'as pas le temps pour tes troubles. Je cherche un endroit où rester juste pour quelques jours. Je suis très fatiguée. Hey, 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 hey. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu te souviens de la façon dont ton père nous a chassés, moi et ma mère, avec un fusil, n'est-ce pas? Alors tu ferais mieux de quitter ici tout de suite avant que je ne déverse toi la colère que je nourris pour ton père. Je te dis, quitte ici maintenant! Laisse-moi entrer, non, je vais laisser ma valise. Tu sais pas ce que je m'amuse. Tu sais, mais pourquoi tu m'as brisé la liste? Laisse-moi. Reviens prendre ta valise, vite. Tu sais, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? C'est ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'étais en train de penser à elle. Et lorsque j'avais appelé, elle m'a dit que son père l'a chassé de la maison. Eya. Mais pourquoi est-ce que son père l'a mis à la porte? Elle a dit que ses tantes lui ont accusé faussement. Et son père a cru en elle. Et il lui a demandé de partir. Elle est allée chez mes parents. Mon jeune frère l'a chassé. Oh, pendant que nous parlions, ma fille est en train de trimballer là-bas. Elle n'a pas où s'abriter. C'est bon, ça va aller. Arrête de pleurer, ok? Mais pourquoi est-ce que tu la demandes pas de venir ici? Je vais dire à ta fille de rester avec toi. Mon mari ne veut pas accepter. Lui as-tu demandé? J'ai peur. Je ne peux pas. Ok, pourquoi tu n'essaies pas d'avoir de cause avec lui? Hein? Raconte-lui tout. J'espère qu'il va compatir et laisser ta fille venir vivre ici. Tu dois prendre ton courage à deux mains. Ma pauvre fille. C'est bon, parle d'abord avec ton mari. Ok, arrête de pleurer. Ça va aller, ça va aller. Mon mari, faveur. Lui, c'est mon mari. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté qu'elle vienne vivre ici avec nous. Ça va. Elle peut rester avec nous. Merci. Fais-la entrer, d'accord? Ok. Févo. Bonjour, monsieur. Févo. Jolie fille. Tu sais que ta mère ne m'a jamais dit que tu es si belle. Elle ne m'a rien dit. Hein? Regarde tes jolies jambes. Ta belle peau. Hey! Regarde tes sourcils. Très jolie. Merci, monsieur. Ne dis pas monsieur,
Oublie ça. Tu peux tout simplement dire merci et c'est tout. Tu peux même m'appeler Amadi. Sois à l'aise pour m'appeler Amadi. Merci. Ne mets pas ce titre de monsieur. Laisse tous les autres mouets, enlève monsieur et jette ça. Ok. Maintenant tu parles. Hey, regardez ses fesses. Monsieur. Jolies fesses. Continue avec ce que tu fais. Hey. Mon mari, hein? Mon mari ne la chasse pas. Elle n'a pas... Pourquoi vais-je la laisser rester dans cette maison? Donne-moi une seule raison pour laquelle je dois permettre à cette fille de rester dans cette maison. Quand ta fille ne peut même pas me laisser la toucher. Tu ne peux pas placer le poisson devant le chat et maintenant demander au chat de ne pas le manger. Ta fille ne peut rester dans cette maison qu'à la condition que je couche avec vous deux. Ne dis pas ça, mon mari. Elle est comme une fille pour toi. Tiens, elle n'est pas ma fille. Ou bien tu veux me forcer à accepter la fille d'autrui? Je sors maintenant. À mon retour. À mon retour dans cette maison. Et si je remarque qu'elle soit toujours là? Vous deux, vous n'allez pas m'apprécier. Je te prie. Mon mari, elle est ta fille. Amaka, ton mari est un monstre. Comment est-ce qu'il peut dire de telles insanités en ta présence? Et tout ça au nom du mariage? Hey, maman, ça va. Arrête de pleurer. Je ne vais pas être une tierce personne entre toi et ton mari. Je vais m'en aller. Où vas-tu aller? Le Seigneur va conduire mes pas. Je crois en Dieu. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas dans la souffrance. Je suis désolée, ma fille. Je t'ai offensée de plusieurs manières. S'il te plaît, ne reviens plus jamais ici parce que je ne vais pas me pardonner si seulement quelque chose de mal t'est arrivé. Je te comprends parfaitement. Je sais que tout ira bien. Ok. Arrête de pleurer. Ça va aller.
Laisse-moi m'en aller. Abaka. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces choses? Ma fille. Je suis désolée. Abaka, tu es en train de verser les larmes de crocodile. Tu es très lâche. Tu es lâche. Je n'ai pas de chance. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne mérites pas du tout être une mère. Tu ne les mérites non. pas. Non. Oh, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, mon Dieu. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu ta valise? Pasteur, je n'ai plus où aller. Oh, Jésus. On ferme ma mis dehors. Et ma mère n'est pas en mesure de m'abriter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton père t'a jeté en ta maison? Mes tantes ont monté un coup contre moi. Je ne sais d'où ils ont pris la photo de moi avec un homme sous les lits. Ils ont envoyé la photo chez mon père, lui disant que... Tout ce que je fais, c'est de coucher avec des hommes. Mon père les a crus et m'a chassé de la maison. Jésus, ma fille, es-tu sûre d'être innocente de cette accusation? Oui, pasteur, Dieu, mettez-moi, je suis innocente. Je n'en sais rien du tout. T'en fais pas, les diables, d'abord. Amen. Le Seigneur se battra pour toi et tu ne seras pas au nom du sang de Jésus. Amen. Ne t'en fais plus, ma fille. Merci beaucoup. Pasteur, s'il vous plaît, je veux juste que vous me fassiez une faveur. Si possibilité il y a que je passe quelques jours ici, dès que je trouve une place, je vais m'en aller. Ce n'est pas grave, tu l'as bien fait. Tu es dans le besoin. Merci. Alors, bien sûr, tu peux venir avec ta maison. Merci, pasteur. Alors, tu peux t'installer ici chez toi. Merci beaucoup. Tu me dis, allez, vous pouvez, ok? Merci, merci. Ça va, ne vous dérangez pas, je n'ai pas faim. Es-tu sûre? Oui. Bon, ce n'est pas grave, ok? Je te laisse la clé ainsi que tu as, ok? Combien de d'accord? Oui. T'en fais pas, ça va. Ok, merci. Merci, pasteur. Je reviens très vite. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur. Vous êtes sincèrement la bienvenue en présence de Dieu. Amen. Bien, certains d'entre vous doivent sûrement se demander pourquoi j'ai fait appel à cette réunion. Je comprends. Tous ici connaissons notre sœur, Fébon. Elle est une sœur dévouée et fervente de cette communauté. En ce moment, elle fait face à plusieurs batailles spirituelles. Et en tant qu'une église, nous sommes censés prier les uns pour les autres dans des situations complexes. Alors, allons-nous prier pour elle? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous savez, la Bible nous dit que nous ne devons pas être ignorants des tactiques de notre ennemi. Nous devons toujours être en alerte. Restez fort et surtout très sobre. Le diable a vu son avenir, qu'elle va être une grande servante de l'Éternel et qu'elle va combattre le royaume de l'Éternel. Alors, c'est pourquoi elle fait face à plusieurs persécutions. Elle est combattue par-ci et par-là. Mais en tant qu'une église, nous ne pouvons pas la regarder et laisser cela arriver quand même. Bien-aimés, sommes-nous prêts à faire face à cette bataille avec notre sœur? Oui, oui pasteur. Oui, pasteur. Ok, sœur Fébon. Oui, pasteur. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Nous te joignons dans cette bataille. Nous nous battrons jusqu'à la fin et le Seigneur nous donnera la victoire. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, gardez silence, l'Éternel combattra. Oui, monsieur. La bataille est pour Dieu. Alors, on est effrayé, point. Merci beaucoup, pasteur.
Merci. Mes frères et sœurs, merci de vous joindre à moi dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. Il te bénisse aussi. Bien, levons-nous et nous allons. Ma sœur, as-tu essayé d'appeler ton père? Je l'ai appelé à maintes reprises, mais il refuse de prendre mes appels. N'inquiète pas, Dieu s'occupera de tes problèmes. Et quant à tes tantes qui ont planifié du mal contre toi, la colère de Dieu va s'abattre sur elles. Amen. Juste continue de prier et aie foi en Dieu. Dieu finira par répondre à nos prières. Salut. Salut. Oui, bonne arrivée. Amen. Merci. Merci beaucoup, ma sœur, pour ton soutien. C'est bon. Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de me remercier. Nous faisons uniquement ce que Christ attend de nous. Bon, il serait mieux qu'on parte parce que les gens commencent déjà à entrer à l'église. Ok, oui. Allez, on y va. D'accord. Partons. Ça fait 2 mois que j'ai tourné le dos à ma propre fille. J'espère que je ne suis pas si dur envers elle. Je ne sais même pas si elle se débrouille comment pour s'en sortir. D'ailleurs, pourquoi je m'inquiète pour elle? Je pense qu'elle trouvera un moyen de s'en sortir. Après tout, elle est déjà habituée à suivre les hommes pour l'argent. Quelle enfant disgracieuse! Shimbo yake mochaina maika. Yondo shika mabono chia baya. Bondo shiko ya chika. Shika mochaina mochaina. Nom puissant de Jésus Christ. Amen. Nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier, demandant à Dieu de tourner le cœur du père de notre sœur envers elle pour du bien. Ouvrons nos bouchers. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit, l'espérance du juste ne sera pas retranchée. Et je me souviens aussi très bien que ma Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, qu'en Christ nous sommes complets. C'est pourquoi tout ce que nous déclarons s'accomplit. Maintenant, nous allons prier que ces filles qui ont planifié le mal contre notre sœur, demandons à Dieu que la paix soit éloignée d'elles. Elles n'auront jamais la paix jusqu'à ce qu'elles confessent. Ouvrons nos bouches et prions. Donne-nous la victoire, ô Dieu. Utilise-nous, Seigneur. Les ennemis de notre sœur. Montre-nous ta puissance, ô Dieu. Qu'ils ne soient jamais tranquilles. Chasse la paix dans leur vie. Qu'ils soient traumatisés. Qu'ils soient confus. Qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pouvons-nous aller dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20? Ok, voyons voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Tu y es? Oui. Pasteur, c'est mon père qui appelle. Ouah, vas-y, réponds à l'appel. Allô, papa. Jésus. Bon après-midi, monsieur. Comment tu vas? Je te rends grâce, Seigneur. Dieu me soutient, monsieur. Je sais que la vie n'a pas été facile pour toi. Même si je suis fâché contre toi, tu restes tout de même ma fille. Et je n'hésiterai pas à te soutenir de temps à temps. Envoie-moi ton numéro de compte. J'aimerais t'envoyer un peu d'argent pour prendre soin de toi. Oh, merci beaucoup, papa. Merci. Papa, avant que tu ne raccroches, sache que je suis innocente de toutes ces accusations à mon égard. Juste envoie-moi ton numéro de compte. D'accord, papa. Bye. Pasteur. Qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de lui envoyer mon numéro de compte. Waouh, gloire à Jésus. Amen. Gloire. Alléluia. Vas-y, fais-le. Okay. À Dieu soit la gloire. Dieu nous te remercie. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon à chaque instant, à tout moment. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon et nos prières sont efficaces. Wow. J'ai un témoignage à vous partager. Dans cet après-midi, même pendant le moment d'étude biblique avec le pasteur,
mon téléphone a sonné, mes frères et sœurs. Savez-vous qui m'avait appelé? Qui? Mon père m'a appelé. Oh, wow. Mais il m'a aussi envoyé 15 000 naira pour me faire. Louons-le Seigneur! Alléluia! Pasteur, je m'appelle Chidi. Je suis un homme d'affaires international. Je suis basé aux Pays-Bas. Shalom. Bienvenue, monsieur Chidi. Et je suis rentré au pays pour les vacances. En venant d'ici, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un dans votre église que je dois bénir. Je ne sais pas si c'est qui, mais l'Esprit me dit que je dois bénir quelqu'un ici. Oh, waouh! Glorifions Dieu pour cela. Amen, pasteur. Qui est cette fille-là? C'est la sœur Faveur. Elle est parmi les plus courageuses des sœurs que nous ayons dans ce ministère. Pasteur, alors je pense que c'est elle la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé dans votre église. Oh, gloire Dieu soit m'a Dieu. Envoyé pour transformer sa vie. Oh, merci Jésus. Pasteur? Oui. Je ne sais pas si elle souhaiterait voyager à l'étranger. Je viens d'ouvrir une ONG. Et j'aurais besoin de quelqu'un de compatissant afin de la gérer pour moi. Ça ne me dérangerait pas que ce soit elle. Waouh, quelle offre généreuse. Alors, c'est d'accord. Je vais d'abord prier pour cela, pour savoir ce que Dieu va dire à propos de ça. Alors je te reviendrai, monsieur Chidi. D'accord. Je n'ai pas vraiment de problème. Pasteur, laissez-moi vous remettre ma carte. Cas où vous aurez besoin de moi. Au nom de Jésus. Ok. Voilà ma carte de visite. Appelez-moi une fois que vous aurez des nouvelles. J'attendrai votre appel. Très bien. Je le ferai dès que possible. Merci. Prenez soin de vous en tout cas. Merci. Merci. C'est une joie de vous recevoir dans cette église. Amen. Que le Seigneur soit avec vous dès maintenant. Amen. Et à tout jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour tout. Prenez soin de vous, cher monsieur. Terrible. Mais cette fille est très chanceuse. Donc, un homme qui a débarqué de nulle part et il l'a amené à l'étranger. Mais, tu sais quoi, ma soeur? J'ai entendu que cet homme a fait d'elle la manager de son ONG. En Hollande. Hollande. Hey, Dieu. Ah, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elle dépense de l'argent en dollars. Hé, c'est pendant que nous sommes ici. Elle saura que tout ce que nous avons dit n'était que des mensonges. Et son père l'a chassée de la maison, ne sachant pas qu'elle allait avoir un avenir très brillant. Vous venez justement de faire une confession intéressante. Qu'est-ce que je vous ai entendu dire? Vous voulez dire que vous avez menti à propos de ma fille? Répondez-moi! C'est ce que vous avez fait? Non, c'est pas comme si on mentait. Hey. C'est pas comme si on mentait. Écoutez-moi. Hey, fermez vos cœurs. Allez, faites gaffe. Ne me cherchez surtout pas. Je vous tuerai et personne n'en saura rien. Alors, parlez-moi. Avez-vous menti au sujet de ma fille? Grand frère, s'il te plaît, pardon. Oui. Ce n'était que le mensonge. Oui, nous étions jalouses de ce que tu faisais pour elle et nous nous sommes dit, nous devrions causer l'inamitié entre toi et elle. Ok, prends ceci. Et ça, c'est pour toi. Ça vient de mon père. Je ne sais pas pourquoi elle devait avoir... Dis-moi. Hein? Et le reste, c'est à qui? Ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est à toi? Oui, c'est pour moi. Hey. Reste-toi d'abord. Ok. Merci. D'accord. Merci énormément. Il n'y a pas de quoi. Je vais appeler ton père pour le remercier. Ok, certainement, il attend votre appel.
peux-tu imaginer, hein? Ton grand-frère nous a envoyé des miettes et beaucoup d'argent à sa fille, hein? Ce n'est pas possible. Ça me fait perdre la tête. Regarde ce qu'il nous a envoyé. Il devait nous envoyer une somme plus que ce qu'elle envoie à cette fille. Écoute, grand-frère a changé. Depuis qu'il est revenu au Nigeria, il a beaucoup changé. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas juste. S'il continue à m'énerver de la sorte, je vais mettre du poisson dans la nourriture de sa fille et je vais la tuer. Hé! Ne le sais pas où. N'ose pas le faire. Au lieu de penser comment nous allons causer de l'inamitié entre eux. Toi, tu parles de n'importe quoi. Ne sais pas que si tu la tues maintenant, la police va venir t'arrêter. On nous arrêtera toutes les deux. Et nous serons en prison. Biko, compte-moi en dehors de ça. Ha! Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu me suggères, dis-moi? Parce que ça commence à prendre une autre ampleur et je t'en peux plus, je n'arrive plus à le supporter. Je ne sais rien du tout. Hey, j'ai une idée. Viens, appelons le grand frère. Nous allons lui faire rapport de la vie que sa fille est en train de mener ici, tout en montant de choses. Appelle-le. Mets le haut-parleur. Allô, grand frère. Bon après-midi. Oui. Merci beaucoup, grand frère. Nous avons reçu les cadeaux. Merci. Grand frère, attends, s'il te plaît. On a quelque chose à te dire. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de faveur. Oui, ta fille. Qu'y a-t-il? J'espère qu'elle va bien. Oui, grand frère, elle va bien. Elle va très bien. C'est juste que la façon dont elle se comporte ces derniers temps nous laisse vraiment perplexes. Oui. Elle commence à sortir avec plusieurs hommes. Et cela n'est pas bien pour elle. Ne me dites pas ça. Ma faveur n'est pas comme ça. Ma fille ne ferait jamais rien de tel. Grand frère, ne la vante pas du tout. Tu sais qu'elle a grandi chez sa grand-mère. Et cette femme ne prenait pas soin d'elle, elle ne faisait que manger de l'argent. Et Faveur ne faisait qu'à sa tête. Exactement. Grand frère, dénisons tout cela juste pour que tu le saches. Ne crois pas que nous avons une dent contre elle. Si nous ne les faisons pas, après elle te dira qu'elle ne prenons pas bien soin d'elle. Et c'est pas bien, elle risque de finir comme sa mère. Et pour ça, elle risque de revenir avec une... Écoutez, arrêtez, je comprends. Bien, je vais l'appeler, ok? Non, ne l'appelle pas, ne le parle pas à propos. Apaise-toi, nous t'enverrons les évidences et les preuves. Et tout ceci. Bien, j'ai fait tellement confiance à ma fille. Ce n'est pas une fille perdue. Alors oubliez votre intention de m'envoyer quoi que vous ayez comme preuve, ok? Passez une bonne journée. Ok, bye bye. Coupe la peine. Et je t'avais dit que cet homme ne va pas le croire. Je t'avais dit que grand frère ne va pas accepter quoi que ce soit concernant sa fille. Hein? Écoute, nous devons planifier quelque chose pour qu'il déteste sa fille. Parce que ses plans ne vont pas marcher. Pas du tout. Mes sœurs, Nénie, Choma, venez. Prends place. Venez voir ce que mon père m'a envoyé. Vous savez, de nature, je ne mets pas de perruque. Je voulais juste vous le montrer. Ne me dis pas ça. Tu veux dire que ton père a acheté toutes ces perruques juste pour toi-même? Tout ceci est pour moi, oh. Il a dit qu'il ne veut pas que je reste avec les cheveux naturels. Donc, elle en a acheté chez une dame et me l'a envoyé. Mais comme vous savez, je ne sais même pas à quelle occasion je mettrai toutes ces perruques. Les mouvements sont limités à l'église, au marché, à la maison, comme vous savez. En tout cas, tu es une chanceuse. Tu sais que notre frère prend bien soin de toi. Oui. Il prend très bien soin de toi. C'est Dieu qui fait ça. C'est ça. Et c'est très merveilleux pour moi. Amen, oh. Réjouis-toi, ma soeur. Tu sais quoi? Réjouis-toi, si je te dis. Merci. C'est très joli. Mais pourquoi est-ce que notre frère a acheté toute cette perruque pour toi? Pendant qu'il sait que tu ne mets pas ça, c'est une perte d'argent alors. Une perte? Comment il peut les acheter pour une villageoise comme toi? Au lieu qu'il les fasse pour nous. Je ne suis pas une villageoise. Tu es une villageoise. Écoute, tu es la championne de toutes les villageoises. Oui, c'est ça. Villageoise. Villageoise. Regarde celle-ci. Nénie, ça en est des trop. Ça commence à dépasser les bornes. C'est quoi ce genre de problème? Grand frère nous a complètement oubliés. Il ne se rappelle plus que nous existons dans ce monde. Il ne se souvient plus de nous. La seule chose dont il se rappelle, c'est sa fille. Ces derniers temps, il n'y a que sa fille par-ci, sa fille par-là. Et tu vois comment elle est montrée? Mon père, c'est ici. Mon père, c'est là. On dirait que son père n'était pas notre frère. Né, cette affaire commence à prendre une vitesse de croisière. Nous devons faire quelque chose.
Nous devons agir vite. Mais qu'allons-nous faire? T'inquiète pas. Nénié, je crois que j'ai une idée. C'est vrai? Quelque chose m'est venu à l'esprit. C'est quoi l'idée? Ma soeur, c'est un plan fabuleux. Approche. Hey, mon amoureux, c'est ça vraiment? Mon veste fille, quelle idée géniale! Je te l'ai dit. Ta surnoiserie a pris une autre tournure. Je ne blague pas. Cette fille, je vais m'occuper d'elle. Quelle photo expressive! Ces photos parlent d'elles-mêmes! Et cette façon, Crawford ne va plus défendre sa stupide. Ça ne tiendra plus! Avec ces images comme preuve, ils seront brisés! Oui, c'est ce que je voulais. Personne ne doutera de cette photo. Les photos parlent d'elles-mêmes! Ça parle! Cette fille voulait nous remplacer où? Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Pas question. Il serait mieux qu'on l'envoie tout de suite à tout de suite même. Ouais, c'est ça même. Et nous l'avons conduit sur le même lit avec ses gars. Oui, mon frère. Oui, elle va quitter cette maison dans le prochain 24 heures. À l'instant même. Oui, et c'est sans excuse. Oui, tout de suite. Grand frère, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Ginea et moi, on va s'occuper de tout. Oui. Oui, monsieur. D'accord, mon frère. Bye bye. Oui. Ginea. Ginea, aide-moi. S'il vous plaît. Je vous prie tous les deux au nom de Dieu. Si je vous ai offensé quelque part, s'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Pardon. S'il vous plaît, ne brisez pas ma relation avec mon père. Mon père est la seule personne que j'ai dans ce monde. S'il vous plaît, appelez-les, s'il vous plaît, appelez-les pour moi et dites-lui la vérité. Exposons les œuvres du diable. Iya, Iya, écoute, arrête tes larmes de crocodile. Ton père a dit que tu n'as que 24 heures pour quitter cette maison. Et avant de partir d'ici, tu dois nous remettre tous les documents parcellaires. Bien sûr, non? Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il ira avec ça? S'il vous plaît, je n'ai pas où aller. Appelez-les pour moi, s'il vous plaît. Pitié. N'est-ce pas que tu es une maman? N'est-ce pas que tu es une grand-mère? Je me demande. Tu ne connais plus leur adresse ou quoi? Hein? Je t'en prie, il n'y a plus de place pour toi dans cette maison, donc tu dois partir. On est en train de perdre le temps inutilement. Nénié, va à la maison et fais sortir ces histoires. À vos ordres. Fais vite. Non, arrêtez ça. Thomas, s'il te plaît, aide-moi à l'appeler, non? Allez, ne me touche pas. Qui permet d'appeler mon père? C'est tout, moi, ce que tu nous as causé. S'il te plaît. Laissez-tu? Nénié! Nénié, mais où es-tu? Lâche-moi, mais... Thomas, s'il te plaît.
Nani, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Où est sa valise? Ne me faites pas ça. Monsieur, je vais devenir sans abri. Je vais devenir une SDF. J'ai ta valise. Ne me faites pas ça. Tais-toi. Je t'en prie. Fais vite, casse-toi. Remettez ma valise. Ayez pitié. Papa. Essaye d'appeler papa. Laisse-lui la vérité. Mais pardon, tu vas rester ici par force. Ça, c'est incroyable. Vous m'avez poussé à punir ma fille pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et malgré toutes ces supplications, je n'ai pas écouté. Juste à cause de votre mensonge. Oh mon Dieu. Comment pouvez-vous être si méchante et insensible? Comment? Désolée, je suis désolée. Oh, j'en ai marre de tout ça. Taisez-vous, taisez-vous. Entrez dans la maison, faites vos bagages et dégagez d'ici. Je dis entrez, allez, vite. Non, non, je n'aimerais plus jamais vous revoir durant le reste de ma vie. Je n'aimerais plus jamais vous revoir. Comment pouvez-vous être si méchante? Les diables dans la peau des humains. Oh mon Dieu. Pasteur, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Regarde-moi, le Seigneur est bon. Oh oui, à chaque instant, sois la bienvenue. Merci beaucoup, pasteur. Ça fait très longtemps. Oui, je suis venue montrer ma reconnaissance à Dieu pour le paix qu'il m'a donné. Oh, merci, oui. Jésus. Je voudrais démolir ce temple et construire pour Dieu une maison plus convenable. Ok. Oh, merci, Jésus. Prenez, pasteur. Ça, c'est un chèque de 5 millions. 5 millions naira? Oui, pasteur. Pour la construction. Si avec le temps, il y a un autre besoin, vous pouvez juste me faire un coup de fil. Merci, Jésus. Seul Dieu peut faire ça. Dieu va continuer de te bénir, ma fille. Ma fille, j'ai actuellement invité ton père ici à l'église pour que vous mettiez de côté vos différends, puisque Dieu l'a permis. Nous avons fini par découvrir la vérité. Alors ton père est ici pour s'excuser auprès de toi. Je t'en prie, ma fille. Je veux que tu lui pardonnes. Papa! Tu m'as beaucoup manqué. Grand-mère, tu m'as beaucoup manqué, ça fait longtemps. Vivo, c'est toi? Uchenna, tu nous as manqué. Ça va? Hey, ça fait longtemps. Bienvenue ici. Regarde-toi, maman, tu as une bonne mine. Tu nous as beaucoup manqué. Merci. Mais ils ont été différents à ton absence. Merci, t'as vraiment grandi. Ah, vraiment? Ma fille, va vers où? Ma fille, t'as vraiment grandi, je te jure. Hey! Merci, maman. Bienvenue. Merci. Hey, ma fille. Attends. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je ne suis pas venu pour des plaisanteries. Je ne suis pas venu vous parler. Je suis ici parce que ma fille a insisté que je vienne faire la paix avec vous. Allez, papa. On avait déjà parlé de ça. Ce n'est pas bien de garder la rancune. Oui. C'est pour ça que j'ai insisté que tu viennes avec moi pour que nous puissions nous pardonner l'un à l'autre. Et continue la vie comme une famille heureuse. Regarde-toi. Non seulement tu as grandi physiquement, mais tu as aussi grandi en sagesse. Merci, maman. Non. Maman. Pour tout ce que je t'ai fait dans les passés, s'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. Maman. Désolée. Maman, arrête ça, s'il te plaît. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Je ne me rappelle même plus de tout ce qui s'est passé. Oh, ma fille. Oui, maman. Merci. Mais, maman, tu dois faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Je suis là pour toi. C'est promis. Je ferai tout pour toi. Je promets. Ok. Grand-mère,
Je veux que tu pardonnes ma mère. S'il te plaît, pardonne ma mère. Tu ne peux continuer à la punir pour une erreur qu'elle a faite dans le temps passé. Pécono, hein? Ce que tu me fais n'est pas juste. Je n'ai rien mis dans ma bouche depuis la nuit dernière. S'il te plaît, donne-moi l'argent, je veux chercher quelque chose. Tu la fermes là-bas. Que je te donne de l'argent pour aller manger. Regardez-moi ça. Est-ce que j'ai mangé? Moi, Amadi, ton mari, est-ce que j'ai mangé? Un centime, je n'ai pas à te le donner. Une femme inutile. Permets-moi alors d'aller chercher un boulot, comme si je vais prendre soin de la famille. Oh, que je te permette d'aller chercher un boulot. Ou bien tu veux me demander de te permettre d'aller dehors là-bas et courir derrière des hommes. Tu vois, tu n'es même pas intelligente. Ce hein? n'est pas juste. Ce n'est ne pas me dérange juste pas. Ce que tu me fais. S'il te plaît. Ah, maman! Ah, maman! Maman! Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça va. Hein? Amaka, qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens? Elle, c'est ma mère. Et lui, c'est le papa de Faveur. Et alors? Qu'est-ce qu'ils font dans ma maison? Ils sont venus prendre ma maman. Tu plaisantes. Vous tous, vous plaisantez. Vous pensez que vous pouvez venir chez moi et m'arracher ma belle femme à Maka? La ferme! La ferme! T'ai-je entendu dire quoi? Qui est ta femme? Avais-tu donné la dot? Moi, à ta place, j'aurais pu avoir honte. Regardez-moi celui-ci. Regarde là où tu as emmené ma fille. Dans une porcherie. Es-tu un porc? Hein? Regardez-moi cette espèce. Mais Amaka, Faveur m'a tout raconté. Pourquoi tu n'étais pas rentrée à la maison? Dis-moi, pourquoi tu n'étais pas rentrée chez toi à la maison? Maman, j'avais peur que tu me chasses. Grand-mère, ça va. Ce n'est pas le temps ou l'endroit pour ce genre de conversation. Prenons juste ma mère et partons. Va prendre tes effets et on part. Grand-mère, elle n'a rien à prendre dans cette maison. Je vais tout lui acheter. Viens avec nous, partons. Amaka! Si tu bouges, je vais te quitter. Si tu bouges, je vais te... Amaka, reviens ici. Amaka! Arrête ça! Un seul mot de ta bouche, je te tue, espèce d'idiot. Au revoir. Regarde-moi, toi, je vais te tuer. Je vais te... Moi, je vais même le tuer. Pourquoi me blesser? Toi, je vais te... Imbécile. Ose encore venir la toucher. Amaka! Ose, Amaka. Tu es un homme. Amaka, je t'aime, non? Amaka, ne me quitte pas. Amaka, ne me fais pas ça. Amaka! Hey. Hey. Amaka, hey, mon œil. Hey. C'est bien fait pour toi. Je suis heureuse et reconnaissante pour avoir encore vu ces jours. Je suis avec mon papa et ma maman sous un seul toit. Nous devons faire un toast. Attends. Je suis heureux pour tout ça. Mais avant que tu ne procèdes avec ce toast, j'ai quelque chose de très important à dire. Ok, bien. Tu vois, mes sentiments sont très nostalgiques. Il y a des souvenirs qui me reviennent à l'esprit, pensant au passé et tout ce qui s'est passé entre ta mère et moi, m'éprouve juste que mon amour pour elle n'a jamais pris fin. Je t'aime encore. Tu étais mon premier amour, la seule femme que j'ai jamais aimée. Et tout ce que je demande est que malgré toutes mes imperfections, que tu me rendes une faveur.
Je veux que tu m'épouses. Es-tu sérieux? Je ne m'attendais pas à ça. Oh, merci. Oui. Je t'aime. Nous allons maintenant arroser. Ouais. Pouh. C'est vraiment un jour de bonheur. Oui, papa. C'est ça. Oui. Ok. Très bien. Ouais. C'est bon. Merci, maman. Faisons un toast. Un toast pour l'amour, pour une réconciliation heureuse et pour une longue vie. Santé. Santé. Mm-hmm.